sont des fréquences vibratoires auxquelles on accède en ayant l'état de conscience correspondant. Alors, la troisième dimension, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension de la matière. C'est la dimension de la dualité. C'est la dimension où il y a des règles à respecter qui sont rigides. C'est la dimension où nous ne choisissons pas ce que nous vivons. Nous vivons en réaction à ce qui nous arrive. Oh, c'est fort. Nous ne choisissons pas ce que nous vivons. Ces règles, ces rigidités, ce sont toutes les croyances, tous les programmes et tout ce qu'on s'attribue pour pouvoir jouer au jeu de la troisième dimension. C'est comme si on avait décidé d'aller dans ce plan-là et qu'il fallait s'équiper. Et on s'équipe d'une armure, et on s'équipe de diverses choses, un casque pour bien se fermer, une armure pour bien se blinder, et puis après on prend des coups de boss. C'est également une dimension, et une autre chose qui est importante, c'est que dans la troisième dimension, on a le temps linéaire. On accède à la linéarité du temps. Ça, c'est une des règles de la troisième dimension. Maintenant, on a aussi une incertitude sur l'avenir. Et ça crée des peurs. Et ça aussi, c'est des choses dont on se charge pour vivre l'expérience de la troisième dimension. C'est facile. Maintenant, la quatrième dimension. La quatrième dimension, elle est chargée des pensées que nous avons créées en troisième dimension, et elle est aussi chargée des rêves. C'est une dimension qui est seulement transitoire. Ce n'est pas un endroit où on va rester. C'est une dimension où on va découvrir un concept spécifique qui n'existe pas dans la 3D, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment cette dimension-là qui nous donne cet accès-là. Ça veut dire que quand on accède à ressentir l'amour inconditionnel, on a un pied dans la quatrième dimension. On est déjà en train de faire la transition. On commence à pouvoir choisir notre... Je vibre notre réalité. On y a tous là. On y est déjà, on a un pied dans la 3D, on a déjà un pied dans la 4D. Dans cette dimension-là, le temps se résume à l'instant présent. À partir du moment où on a accès à cette conscience-là, on est dans la 4D. On commence à devenir observateur de ce qui nous agite, de ce qui nous agit, de ce qui nous meut. La vitesse de l'air. Le 8. Et on commence à avoir du détachement. Puisqu'on peut être observateur, on sort de cette chose qu'on est pour pouvoir la regarder. Là, on est dans la 4D. Ceci dit, ça ne se fait pas forcément beaucoup, avec beaucoup de douceur. C'est un peu une machine à laver. Hein. C'est un gros tambour où on est bien bousculé pour pouvoir faire quoi? Eh bien, casser la cuirasse, casser l'armure, tomber les armes, retirer le casque. Soit on l'accepte, et c'est facile, soit on comprend qu'on se cramponne encore, et là, ça devient plus difficile. Mais je vous rappelle que c'est seulement un état transitoire. Poser les armes, poser l'épée. Voilà. Donc, l'idée de la 4D, c'est vraiment cette période qui permet de faire le ménage, de se débarrasser de tout ce qui nous a permis de faire l'expérience de la 3D, d'où nous n'en avons plus besoin. Le but de la Terre et de ses occupants est, pour en tout cas pour l'instant, d'accéder à la 5D. Et on y accède seulement en étant devenu maître de ses pensées et de ses émotions. Et ça, on l'apprend en 4D. La 3D, c'est la maternelle. La 4D, c'est le CP. L'école primaire, pour accéder à la 5D, qui est vraiment qui sont les classes supérieures. Alors, la cinquième dimension.
La cinquième dimension, c'est le règne du pouvoir de l'intention. La création est instantanée. On y a un petit peu goûté en 4D, à la création instantanée. On peut constater qu'il y a des pensées qu'on a, dont la matérialisation se manifeste tout de suite. Alors, hein, les feux au vert, les places de parking, mais aussi, je manque d'argent, poum, d'un seul coup, poum, hop, t'as les impôts qui te font arrêter, un arriéré, ou des choses comme ça. C'est vraiment, voilà. En 5D, il n'y a pas d'effort à fournir. Tout vient à vous, à nous, facilement. Il suffit de le penser et c'est là. D'où la nécessité de cette classe de transition, d'apprendre à gérer ses pensées, à stopper les pensées qui ne vont pas aller dans le sens de la progression de l'être. Les créations, ce ne sont pas des créations dans la forme. Ce sont des créations dans la lumière, dans les couleurs, dans les sons, avec les formes géométriques. Et avec les fréquences. Voilà ce que c'est la 5D. Alors, maintenant, quelle est notre responsabilité? Bah, toutes les limites, les jugements, les peurs que nous nous imposons pour rester dans la 3D, c'est des poids qui nous y retiennent et qui ne nous appartiennent pas. C'est pas à nous. Nous ne sommes pas nos peurs, nous ne sommes pas nos croyances, nous ne sommes pas nos limites. Nous sommes l'illimité qui se cache derrière. Ce sont seulement les illusions. C'est juste l'équipement dont j'ai eu besoin pour m'amuser à ce jeu de la 3D. Donc ça m'amuse, j'y reste, tout va bien. Dès que ça commence à... Non, vraiment ça, c'est pas possible. Hop, on peut commencer à changer. Mais chacun est responsable de son propre nettoyage. Pour augmenter sa vibration. Chacun est responsable de sa vie, de ce qui lui arrive. On ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer s'il n'a pas envie. Ça, je l'ai vraiment compris là pour le coup. Pour conclure, vivre dans les dimensions supérieures, c'est un choix. Et pour nous aider, nous avons un outil magique, formidable. C'est la méthode des deux points. Pour que cette transition, ce passage, cette montée en vibration puisse se faire en douceur, avec légèreté et avec le plus de facilité possible en fonction de là où nous en sommes.